c'est le débrief d'Afida Turner. Afida, vous allez le sentir passer. Le débrief, une émission sans langue de bois et avec langue de... Vous avez cru quand même en sortant du loft que ça y est, vous alliez devenir une star, que c'était lancé, c'était parti pour vous? Non, j'ai toujours été star auparavant, c'est pas parce que tu... Non mais c'est vrai, non mais sincèrement, je veux dire... Non mais pour de vrai, quand je dis star, c'est-à-dire... Dans l'attitude? Non mais pas dans l'attitude, c'est-à-dire que j'écrivais mes chansons, je faisais mes chansons, j'ai pas eu besoin d'une télé-réalité pour me réaliser, j'étais déjà réalisée, ou pour pouvoir réaliser le reste de la télé-réalité. Non mais complètement, ils vont dire, mais elle a une grosse tête maintenant, c'est pas ça, mais je pensais... que justement avec un peu plus d'exposition, en l'occurrence du Love Story, d'exposition, ouais. Exposure, j'étais sûre que j'allais j'ai pouvoir une vendre question, mes disques. J'ai une question, je vais remplacer Adrien cette semaine, je vais faire la question méchante. Est-ce que depuis que tu vis à LA, tu as le syndrome Jean-Claude Van Damme? Tu mélanges alors, le français et l'anglais. Alors justement... C'est vrai que le français à la base, c'était pas top parfois dans le Love. Je savais que t'allais me oui, parce que j'avais déjà justement probablement une motivation pour les États-Unis, donc je savais pas... quelquefois donner les bons termes en français. Bon, alors le syndrome Jean-Claude Van Damme, non, parce que je fais pas oh mais non arrête, c'est pas ça, mais par contre t'as employé it's a mess, tu ouais, vois, mais le problème et manque d'exposure, et manque d'exposure, le seul problème c'est que quand tu vis aux États-Unis pendant 6 ans et mon mari ne parle pas anglais, quand tu rentres en France, on tu est parles comme des trucs qui reviennent. Les gens me disent, mais t'as un problème de dents. Est-ce que c'est des fausses dents ou est-ce qu'elle parle saucisse? Non, mais à force de vivre aux États-Unis, du coup, est-ce que tu mélanges les deux des fois? J'ai perdu de mon élocution et de mon aisance verbale. Le débrief. Une heure de direct intégral pour débriefer l'actu de la semaine.